Bonjour. Oui, bonjour, mademoiselle. Je suis bien au magasin d'automobile. Oui. Je souhaiterais acheter une Lada. Est-ce que vous en vendez encore? Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est formidable. Ce n'est pas pour moi. Hein. Mm-hmm. C'est pour maman. Oui. Et voyez-vous, elle m'a fait hier la remarque que je ne lui avais jamais rien offert. Mm-hmm. Et je souhaite pour son anniversaire lui offrir un beau cadeau, un automobile. Ah ben, c'est bien, c'est un beau cadeau. Oui, mais pas trop cher. C'est pour ça que j'ai choisi votre marque. Hein. Mm-hmm. Est-ce que Lada est toujours bien dans des prix raisonnables? Alors, on a un nouveau modèle, c'est la Kalina. Oh. C'est à 8 880 euros. Ça, c'est ce que vous avez le moins cher. Voilà, oui. 8 880. Il y a direction assistée, airbag, ordinateur de bord. Elle est bien équipée. Ah, voilà, justement, parce que, bon, dans la mesure où le modèle ne sera pas cher, je compte mettre quelques options pour montrer à maman que j'y ai mis le paquet. Hein. Oui. Donc, il y a des intérieurs cuir dans ces voitures? Non. Ce n'est pas d'intérieur cuir. Bah non, hein, on peut avoir des jantes en alliage. Ah, des jantes. Ah, jantes en alu. C'est combien pour une jante? Vous avez le prix des options ou pas? Pour les 4 jantes en alliage. On est obligé de mettre les 4, on ne peut pas mettre juste celle du côté où elle rentre. Parce qu'elle voit les 2 de gauche, c'est bon, hein, elle ne va pas faire le tour. Hein. Attends, non, mais mettons les 4. Allez, ne soyons pas chiches. C'est toujours fabriqué chez les... En Russie. Oh, c'est terrible. La main-d'œuvre est vraiment bon marché là-bas, paraît-il. Hein. Oui, il paraît. J'ai vu un reportage où vraiment ces gens travaillent pour 3 fois rien. Quoi. Ouais. C'est grâce à ça que nous pouvons avoir de bonnes voitures, pas chères. Hein. Ben oui. Est-ce qu'il y a l'ABS? Non, il n'y a pas l'ABS. Ah! Non, il n'y a pas l'ABS. On peut l'installer? Non. On ne peut pas. C'est interdit. Les Russes ont dit non. Non, mettez pas d'ABS. Cette voiture doit être dangereuse, ils ont dit. C'est pas encore dedans, oui. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a, par exemple, des spoilers ou des choses extérieures un peu... Non, en fait, comme option, il y a donc les tapis de sol, les moulures. Il y a un tapis. On met un tapis. Eh ben, on va mettre un tapis pour maman, alors. Et les moulures de porte. Les moulures de porte, c'est quoi? Comme des trucs sur les vieux plafonds? C'est des moulures en plastique pour protéger les portières. Ah, et c'est cher, ça, ces trucs en plastique? 77 euros. Oh, mon Dieu, quand même. Et alors, il y a aussi la tâche remorque, je sais pas si elle a besoin. Ben, c'est une option, hein. Je veux dire, tant qu'à faire, s'il n'y a pas l'ABS, qu'on mette la tâche remorque. Hein. Mm-hmm. Moi, ce que je vous dis, c'est que je veux dire à maman, voilà, je t'ai payé une voiture formidable, full option. Mm-hmm. Elle dit, ah oui, quelles options? Mais regarde, hein, mère, il y a une attache remorque. Mm-hmm. Si tu veux, par exemple, acheter une caravane. Ah bah oui. Eh ben, donc si on prend la totale, allez, les 4 jantes alu, le tapis de sol et l'attache remorque, la full option, combien c'est? Alors... Il n'y a pas de toit ouvrant, hein, j'imagine. Non. Bah non, on est en Russie, quelle idée. Il et neige. Aussi, nous, je ne sais pas si elle roule beaucoup, hein, mais on fait l'installation LPG. Ah oui. Ah, vous voyez, vous avez une option. Voilà. Ah ben en plus, c'est vrai, c'est normal, les Russes sont les premiers distributeurs de gaz. Hein. Ah, ouais, les salauds, ils savent y faire. Hein. Ils ne mettent aucune option sauf le gaz. Alors. Ah, ils sont merveilleux, ces Russes. L'installation LPG, ça revient à 2150. Ah ben formidable. On peut voir les modèles sur un catalogue chez vous? Oui, bien sûr, on a un catalogue. Formidable. Donc, et alors, en tout, donc, avec le LPG, l'attache remorque, la boule et le tapis de sol. Alors. Et 4 roues. Oui. Attendez, je regarde. Hein. Oui. La couleur, c'est métallisé? Non. Oui, c'est métallisé. Ah oui. Ah. Ça fait 12 000 euros. Ou quand même. Donc, on passe de 8 000 à 12 000. Donc, j'ai mis plus de la moitié du prix en option. Ah ben c'est formidable, ça doit être le tapis qui coûte cher. Bon ben je passerai voir. Hein. Ça va. Je vous remercie, bonne journée à vous. Hein. Au revoir, voilà. 12 000 euros pour une voiture, pour avoir un tapis. C'est bon, il y a 12 000 euros, j'ai un persan si je veux.